Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée qui commence ici, je suis à Paris et c'est parti pour mon prochain voyage. C'est génial, je suis super excité, j'ai trop hâte de partir. Donc aujourd'hui c'est Paris, Toronto, je fais une semaine à Toronto, donc un peu moins, 5 jours à Toronto. Je vais aller visiter les chutes du Niagara à Toronto parce que ça fait très très longtemps que je veux les faire et je vais en profiter pour aller les voir. Ça, il paraît que c'est beau, il paraît que c'est grandiose. Donc ça va être Toronto 3 jours, puis 2 jours à Niagara pour aller faire voler le drone en haut des chutes du Niagara. Ensuite c'est direction Lima avec Carla Massima et Florent, donc ça va être 3 semaines au Pérou. Je sais pas si vous connaissez le Pérou, mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos lieux préférés au Pérou pour savoir s'il y a des choses qu'il faut absolument que je voie. À la fin du séjour du Pérou, donc je reprends l'avion pour revenir au Canada et cette fois c'est Montréal. Montréal, je fais une semaine à Montréal. Donc voilà, sur ce voyage là, je vais avoir 3 personnes. Ça va être Sabrina à Toronto, ancienne collègue qui vit maintenant à Toronto. Carole à Lima, donc ancienne collègue aussi qui vit maintenant à Lima, qui est péruvienne et qui est retournée vivre à Lima. Et au retour, sur Montréal, je vais voir David Etienne, que j'ai pas vu depuis très très longtemps. Voilà, donc ça va être un mois de voyage, toujours avec valise cabine. Résumé de mon vol Paris-Toronto. Paris-Toronto, ça a été un peu compliqué parce que finalement donc j'ai loupé mon premier vol. Je suis arrivé 5 minutes avant la fermeture de la porte et comme j'avais pas mon fameux visa AVE qu'il faut maintenant pour entrer sur le territoire canadien, bah, j'ai pas pu prendre mon avion. Donc du coup, c'est ce que je vous explique dans la vidéo là, que je vais faire sur que faire quand on loupe son avion. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait quand on loupe son avion, je vous le dis aussi ici. C'est bah, on va au comptoir d'enregistrement et puis on prend le vol d'après. Et au lieu d'avoir un Paris-Toronto direct comme j'avais de prévu dès le départ, en fait, j'ai eu un Paris-Montréal, Montréal-Toronto. Donc j'ai eu deux avions. Donc ça m'a un peu changé mes plans et je suis un peu plus fatigué. Au lieu de voler en 6h30, 7h, bah, du coup ça m'aura fait 10h avec 1h30 d'escale à Montréal. Voilà. Donc là je suis arrivé à Toronto. Toronto, ça va être 6 jours, on va aller voir les chutes du Niagara, on va aller se balader un petit peu dans le centre de Toronto, on va faire voler le drone sur la skyline pour aller voir les plus beaux plans de la skyline et de la CN Tower, donc la tour principale la plus haute de Toronto. Donc on est parti pour aller visiter Toronto, 5 jours, et puis après je rejoins Nassima, Carla et Florent donc à Toronto à l'aéroport pour partir sur Lima. Mais déjà on commence par le Canada, Toronto, 5 jours, c'est parti. Voilà, quand on n'a pas de bagages et qu'on voyage en mode minimaliste comme moi, on n'a pas besoin d'aller chercher ses bagages ici. Là, 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 ça, on oublie. On prend son bagage cabine comme moi. Voilà, on a tout là. 4 semaines de vacances, 1 mois, tout ça, ça tient là-dedans. Et regardez ce que j'ai acheté. Petite pochette de chez Muji, hyper pratique pour mettre ses affaires. Vous voyez, j'ai mis mon passeport, j'ai mis mon carnet de notes. Mon carnet à l'arrière et un stylo. C'est super pratique si vous voyagez, vous trouvez ça chez Muji, ça coûte 6€ et c'est pratique.
qu'on est à Toronto là. La CN Tower, ici, symbole de Toronto, plus grande tour. Camera is coming at your hand. You are the newsman. You can just say it. What happened to yours now? Très drôle parce que je loue l'appartement sur Airbnb, j'arrive en bas à la réception, je dis je viens voir Jerry 11e étage et le mec il me dit ah bah il y a des colis pour lui. Donc Aurélie, si t'entends ça, bah tu vois je suis pas le seul à me faire livrer des colis sur Amazon parce que regarde Jerry, petit coquin, ça et surtout la grande boîte là. Jerry, la grande boîte, il y a quoi là-dedans hein? Coquin de Jerry. Allez, on va aller voir l'appartement comment il est. Airbnb, 180€ 3 nuits. Et voilà la chambre sur Airbnb, 11e étage. Je me suis installé et regardez la vue, c'est magnifique. La vue magnifique. Et alors, il y a une map monde. On va aller trouver Toronto. C'est où Toronto sur la map monde? Alors, on tourne. L'Asie. Donc aujourd'hui, on a fait le vol. France, ici. Et on est à Toronto, au Canada. C'est ici. Toronto, ici. France, ici. Thank you.